Imaginez un monde où chaque innovation, chaque société, chaque décision serait prise en harmonie avec notre planète. Trois mots peut-être pour cette troisième édition. Découvrir, partager, rencontrer. Quand vous créez une entreprise en pensant votre entreprise comme un système vivant, vous créez les conditions indirectes d'être émerveillé, surpris. Je pense que de regarder les renoncements d'une entreprise, ça vous permet de voir la qualité de ses engagements. Ben, ça fait beaucoup de bien de sortir de son petit train-train d'entrepreneur sous l'eau pour repartir avec des nouvelles idées, des nouvelles dynamiques. On porte tous des lunettes, je vous invite vraiment à prendre celles de vos voisins, à essayer aussi d'aller au-delà et à penser contre vous-même, mais aussi en n'oubliant pas de penser avec les autres et d'ouvrir large et d'accepter l'incertitude du monde. Et notre plus grande fierté, c'est surtout d'avoir créé un lien concret entre collaborateurs qui se reconnectent au vivant et agriculteurs qui voient leur statut revalorisé à leur juste titre, c'est-à-dire comme acteurs incontournables de la régénération de nos territoires. Je trouve ça hyper rafraîchissant en fait, de voir qu'il y a des entrepreneurs qui se mettent sur les bons sujets et donc on voit défiler tout au long de la journée des solutions, des problèmes très concrets. Quand j'ai découvert que je pouvais me libérer de la peur de donner et transformer ça en quelque chose de vertueux, en fait ça a changé ma vie. Pour moi le partage, ça m'a permis d'atteindre un niveau supérieur et de devenir médaillé olympique. L'homme est un animal social. Il ne vit que par le regard de l'autre, avec l'autre. Le lien social, c'est la seule chose qui peut changer la société. Alors, bon sang de bonsoir, excusez-moi l'expression. Mais allez-y, lâchez-vous, allez à la rencontre des autres. Faire partie de cet écosystème-là, ça donne la patate en fait. On a envie de repartir à l'action, des idées plein la tête. Donc chaque année, on en redemande.